Hey, salut! Aujourd'hui, je t'emmène visiter un fort de la Deuxième Guerre mondiale. Il est passé sur la ligne Maginot et tout proche de l'Italie. Alors, sur place, on a déjà Tony et Max. Alors, lui, il a vraiment morflé. Reconnaître un ouvrage serré de rivière. Ah, il a pris cher celui-là. Il y a des taches qui ont disparu. Ah, maintenant, ça doit servir d'abri à tous les rapaces du coin. Attention au trou en même temps. Le toit a disparu. Tiens gaffe de ne pas trop le truc sur la tronche. Coucou! Non. La nature a repris le dessus. Les champs d'ortie. Il a vraiment dégusté celui-ci. Alors, ce qui est bien, c'est que dehors il fait extrêmement chaud. On est en plein mois d'août. Et là, l'intérieur, c'est génial. C'est hyper frais. En vrai, ça fait du bien d'être là. C'est magnifique. Il y a une vue. Là en bas, on a le petit bloc où il y avait la faute d'orthographe. Donc le voilà vue du dessus. On voit qu'il a morflé aussi. Hein. Ça crée un sacré impact dessus. Vite fait, c'est vraiment un régal pour les yeux. Alors là-bas, c'est l'Italie. Hein. Tu vois, on est vraiment, vraiment à la frontière. Là-bas, il y a un deuxième fort. Et là-bas, un peu plus bas, une batterie de bunker. Un fort là-bas, et là-bas, beaucoup plus loin, tu as un autre bunker qu'on a déjà fait en vidéo. Alors, le fort est entouré d'une muraille. Une muraille qui est presque plus distante. Et ce fort, donc, il a été éclaté par les Français, bien sûr.
puisque c'est un fort qui a été pris par les Allemands et repris par la suite par les Français. Et donc les impacts que tu peux voir, pour la plupart, ils sont français.